Monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous incarnons les Roxolans. Alors oui, on s'occupait des Séleucides. Ça me revient. On s'occupe des Séleucides et on va aller chez les Cimériens. Parce que comment ça à grandir un peu et en plus ils ont tapé sur nos copains les salauds. Et ça on n'aime pas nous. Eh oui, on n'aime pas. Et ça, rebelle nomade, oui. Alors c'est quoi? Ouais. Alors oui, ça on faisait une province. Basé sur le commerce. Attends, j'espère au moins que j'ai. J'ai rien qui me donne des. J'ai ça, enfin, stimulation commerciale là. Me donne. La richesse du commerce, mais bon, on a foutre quoi. Ouais, pas ouf. Pas ouf du tout. Les bâtiments, pas terribles, commercialement parlant. C'est vrai que j'ai à voir tout ça là pour l'agriculture à refaire. Alors, oui aussi. Il est où mon roi? Il est là. C'est des nobles. Ce sont des nobles. Ok, on va faire quelque chose. Je vais recruter. Hop là. Un nouveau général. Je vais lui filer les troupes. Et le nouveau général, je vais lui dire d'aller là-bas. Quant à mon roi. Zut. Il demandait d'aller à Sarai. Il y en a pour longtemps. 1, 2, 3, 4. Oh, ça va. Il est plutôt rapide. Je vais à la Sarai pour recruter une nouvelle bonne troupe. Et son but sera de défendre. Défendre au nord. Ouais. Faire un effort, je vais le recruter, ton agent. Voilà. Heureux. Bon, je vais faire autre chose aussi. Il me faut que je recrute un espion, je crois, qui pourra m'aider au. Faire du pillage des prisonniers, etc. Oh, il est bien lui. Ah mince, il meurt plus de faim. Changement de plan. Envoyer un deuxième. Non, c'est pas cool. Ça retarde un petit peu mes plans, mais c'est pas très très grave.
Et lui, il se balade bien. Il va falloir que j'active aussi les agents que je viens de recruter, quand même. Ça peut servir. Ah, d'accord. Les agents, les agents, les agents, les agents. Et voilà. Pour l'instant, ce sont les plus importants. Ouais, ça coûte cher, mais là, je suis bon revenu en plus, hein. Malgré l'Imperium qui a augmenté. Je suis assez élevé en Imperium, il me semble. À 5. Pas mal de corruption. Bon, c'est rien par rapport à ce qui m'attend, mais... D'ailleurs, je peux passer en royaume? Non, en empire, je veux dire. Il va vite, hein. Le roi, il est solide sur ses appuis, hein, comment dire. Ah, les Galates. Bon. Ça m'arrange pas vraiment. Mais ils m'ont pas attaqué ce tour-là, bon. Alors, qu'est-ce qu'il me veut? Okay. Lui, je vais le laisser là. On sait jamais qu'il se réveille. Lui, je suis obligé de le laisser là aussi. Par contre, je manque de troupes. Là, j'ai Arsamosat qui est pas défendu. C'est bizarre, ça. Je pensais en avoir un peu plus comme des unités. Je vais être obligé d'en prendre certaines. Hop, on va remonter vite à Palmyre. Là, si je prends Antioche. Faudrait que je prenne Antioche. Antioche et Samosata. Mais personne n'a Samosata, je vais prendre Samosata. C'est quoi celle-là? On crie un... Non. Faire du minier ici. J'aimerais bien prendre Antioche, mais si je vais prendre Antioche, je risque de perdre Tyros. Donc on va attendre un tour. Et je vais les envoyer là. Lui. Ok, il arrive bientôt. Vache. T'as quand il se déplace, il fait pas ça à moitié, hein, vraiment. Ici, je peux pas les piller un coup quelque part, je sais pas trop, mais. C'est long en déplacement. C'est vachement coûteux en déplacement d'ici. Hein. Vache. Je pensais pas que ce serait aussi coûteux. Je crains que les couches ne finissent par se réveiller. Ça m'inquiète. Je voyais pas la menace venir des Galates.
Faire ça. Ils sont pas plus nombreux que ça. Est-ce que je peux aller à descendre en part d'un tour, sauf si je mets ma marche forcée. Ouais, je peux bloquer tant que je recrute pas. Et on va recruter. Ah, ils sont nombreux. Hein. Là. Ah, ils sont très nombreux là. On va avoir un petit souci au niveau de Tyros. Alors lui c'était pour un. Du pillage, je crois. Peut-être pas. Hein. Il n'y a pas. Ah si. Oh oui, si y a. Ça dépend du zèle, on va lui donner. On va lui donner du zèle. Hop, lui il est arrivé. Il est arrivé, on va le faire recruter. Ah oui, ah, c'est vrai que j'ai des unités de corps à corps aussi là. Oh purée, 200 de coups d'entretien. C'est pas donné, hein. Après, ça peut être intéressant d'avoir une des troupes. Un truc comme ça, mais... Donc le coût d'entretien, là, je vais avoir 4000, 4000 de thunes en moins d'entretien. Ça fait beaucoup. Peut-être aller piller Tarsus. Non, pas comme ça. Faudrait que je fasse des embuscades. Je vais me tenter à deux embuscades. Ici. Et ici. Alors, même le mieux. Bon, trop tard. J'ai pas réfléchi, c'est pas grave. Je réfléchirai le tour prochain. Il est arrivé. Il est pas arrivé. Pas de bol. Il était pas loin. Voilà, une embuscade qui fonctionne.
se lance. On va les relâcher. Ouais, j'ai pas mal de personnages qui ont gagné du rang. Ils sont badass hein, là dans cette troupe les gars, ils déconnent à zéro. Ok. Maintenant ce que je vais faire avec lui. Avec voilà, cet agent. Est-ce que je vais pouvoir l'emmener faire des actions. Enfin. Hop, ils sont beaucoup ou pas? Pas tant que ça. Allez, je vais les emmener se battre à l'extérieur de la ville. Ah, ça fait de la perte. Hein. Ça fait de la perte pour pas grand chose. Je vais la faire manuellement. Ah, il y a des forêts. Ouais, quitte à faire un repli stratégique, au moins leur faire des pertes. Ah non, pas de brouillard. J'ai déjà donné. Voilà, je préfère. Hop. Va falloir que je prenne en compte que mon général est moins rapide que les autres. Ah, les forêts. Cours forest. Hein. Oh là là, en plein milieu là. Ouf. Terrible. Il n'y a pas grand chose. Ah si c'est. Vache. Avec plus le contrebas, on y voyait vraiment que dalle. Là, en vrai, j'y vois pas grand chose non plus. Hein. Là, je sais qu'il y a des troupes qui sont là, qui sont planquées là, mais je les vois pas. Ah voilà, elles sont là, putain. Attendez. Je vais aller me battre là plutôt. Je vais faire décaler l'ensemble de mes troupes là. Battre sur les plaines, c'est beaucoup mieux. Que d'aller en forêt. On va bien se rapprocher. Prendre le mode garde. Plus là sur le déplacement t'as ce tirailleur qui non, c'est bon, j'allais dire qu'ils prennent mais ça va. Si c'est quoi, c'est des tirailleurs là, ils ont vraiment tout ça emporté là, sérieux? Je suis en hauteur par rapport à eux, faut pas déconner. Faites pas monter les gars. L'avantage de la hauteur. Ah, putain. Avantage de la hauteur ou pas hein. Sérieux. Bon. On va faire mine de s'avancer. Ça va les faire partir. Parce qu'ils veulent. Ils vont pas accepter le contact au corps à corps. Hop, on va faire un pivot. Je commence à le maîtriser un peu le pivot. Là même si on arrive au corps à corps, de toute façon ils vont prendre tarif.
Hop, stop. On va rater juste le feu à volonté, là. Sinon, je vois venir les ennuis. Alors, un bretteur, il me semble qu'ils ont des projectiles. Waouh, la vache. Ils vont se planquer dans la forêt. Bon, après, ils ont plus d'unité. Oh! Oh, les pertes que j'ai eues, mais ça c'est des tyranniers en plus. Oh, terrible. Je sais pas si vous avez vu tout ce que j'ai perdu là en... C'est des tyranniers. Des fuyards. Les mecs, je vous ai mis en mode garde. C'est pas pour rien. Bon, les feux à volonté. Bousillez moi tout ça là. Ils n'ont pas d'unité à distance. Pour l'instant, je les vois pas s'ils ont. Arculin, Pouya. Voilà. Il pleut des flèches, il pleut des projectiles. C'est quoi ça? Oh, noble Galate. On sait que ça a des javelots, ça. Ok, c'est un général en plus. Là, les hommes libres, ça, on n'a pas. Pas d'unité à distance, du moins, j'en vois pas. Ok, le général ennemi qui commence à se barrer. Qui s'est barré. Vous êtes en mode garde, les gars, oubliez pas. Merci. Watch. Bah ouais, il pleut des flèches. Hein. Là, je me demande si je vais pas arriver à court de munitions quand même. Vu que j'ai des unités légères, je peux pas charger dans le tas. Que lancier. Il y a encore un général derrière. C'est lui qui donne aux unités du moral. On va essayer de se replacer parce que. Ils sont un peu désordonnés là. Ok. Je vais faire sortir les unités qui n'ont plus de munitions. Bon, parfait. On va poursuivre. Cependant. Alors. On va pas laisser se barrer. Comme ça. J'avais pas de fuite possible. Comment ça? C'est bizarre. Ah, pas de bon. Bon, j'aurais pas son général. Enfin, si ce n'est que ça. Je suis sûr d'avoir des grosses pertes uniquement en plus à cause des tirailliers, quoi. Bah ouais. J'ai fait 236 tiraliers quoi. Oh là là.
Sont pas doués. 236 tirs alliés. Ouais, on relâche les captifs. On va même pouvoir se permettre de prendre Antioche, hein, je pense. Ça m'arrange rien. On en a besoin. Oui, commercial. Ok, bon, c'est pas trop mal. On va toujours ça là. Il nous embête. Les couches là qui viennent nous embêter aussi. Pourquoi j'en ai deux ici? C'est bizarre. Ok, lui il arrive. Je vais recruter, je vais faire construire une flotte, hein, j'ai pas trop le choix. Mais je suis le Roxelon, mes flottes c'est de la merde en fait. Attends, je suis en train d'y penser. Dis oui, je vais faire des flottes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, hein? J'ai vraiment des unités pourries quoi. Tu me diras, c'est peut-être un peu moins pire que les unités classiques, mais je suis en train de penser à ça d'un coup. Ça me saoulait aussi. Alors, je vais prendre Tarsus. Voilà. Bien quelqu'un ici. Ah, alors Rennes en plus. Ah bah. Quel dommage. Se mettre d'accord hein, par contre c'est que si vous venez là, ben moi je vais chercher votre capitale, hein. Pas votre capitale, hein, ce qui vous reste. Je lui donnais perdant. Vraiment? Avec les tours? Je pensais pas que je serais donné perdant. Hein. J'ai bien des tours à flèche quand même quelque part, non? Ah oui, mais on est. Regardez, il y a les tours à flèches, là, il y en a trois là, des tours à flèches, faut pas déconner quand même. Allez, toi tu vas te planquer là derrière les maisons. Le but ça doit être de les occuper.
Après, c'est vrai qu'ils sont pas nombreux. Hein. Pourquoi il y a une unité là-bas? Ok, bon. Pourquoi pas? Hop, et toi, pareil, tu vas te planquer là-bas. Oh, ils sont très peu nombreux. J'aimerais juste quand même profiter de leur débarquement là pour leur faire des dégâts là, avec les archers. Non, c'est qu'on n'a pas l'avantage. Ils vont peut-être vouloir passer là. Ils ont l'air de vouloir passer là-bas. Donc. On va aller là. On lui a fait un peu de perte. Les Peltast, ce qui est chiant, c'est que ça reste une unité assez solide, hein, mine de rien. Peltast Royaux 160. Aïe aïe aïe. Là je vais bouger et avec eux je vais faire mine de charger, ce qui devrait les empêcher. Là, faut pas qu'ils prennent ma tour par contre. C'est pas bon mais faut pas qu'ils prennent ma tour du tout. Ouais, et non les mes tours et le... Trois flèches, elles sont pas très très efficaces. Hein. Pas très efficaces du tout. Hein. Je pensais m'en tirer un peu mieux, quoi. Bon, heureusement, là, ils vont pas sur mon général pour l'instant, mais bon. Ça reste pas terrible. Hein. À la tour à flèche. Et même là. Vraiment pas terrible du tout. Hein. Elle ne fait pas feu. Elle ne fait pas feu, on sait pas trop pourquoi, mais elle ne tire pas. Apparemment, il y aurait un séleucide dans le coin. Merde, bon bah s'ils sont retournés. Oh là, oh là, oh là, des bandades. Ah oui, d'accord, bon. Bon. En soi, c'est pas très grave. Ça attire même sa flotte. Donc ça me va. Ça me va. Donc ça pourrait être pire quoi. Là t'es mère de l'échec. Effectivement. Dans ce cas-là. C'était la perte d'Antioche. Mais c'est pas très grave. Il a qu'une flotte pour la défendre. Il a pas de troupes. Hein. Là, il a dû ramener ses troupes, mais il va mourir de faim. Merde, peste. Comment ça, il meurt pas de faim, là? Avec tout ce que je lui vole? Et où la plaisanterie là? Je suis pas fan. Bon. Ah bah c'est eux qui ont la peste en plus, bah super. Hop, un ici. Et l'autre là. Je suis un peu dégoûté là, mais bon. Bon. Alors, on reprend Antioche.
Reconstruire. Refaire nos bâtiments. On chie. Ici. Putain. Blessé, ils y arrivent. Hein. Par contre, le reste. C'est pas trop leur cam. Ils meurent pas de faim, quoi. Je comprends pas. Ouais, 8400, j'ai pas aimé la blague. Bon, puis on va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein. Il y a très probablement quelques batailles qui vont jouer ici. Pour le prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu et je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Allez, c'était Thiob. Ciao.